Bonjour les adeptes de l'horoscope chinois. En cette année du singe, tout peut arriver si vous y mettez du vôtre. Singe, canalisez votre curiosité et vous finirez par savoir quelque chose de nouveau car pour l'instant, votre humeur de chien fou fait peur à tout le monde, même à moi. Quand l'instinct du savoir s'éveille chez l'ami singe, s'émerveille de voir mijoter ses méninges. Hélas, le bouillon devient vite bouilli et l'éveil d'un grand esprit se transforme en vaste singerie. Coq, compétence rime avec assurance. Conclusion, si vous êtes si peu sûr de vous, c'est que vos responsabilités sont trop lourdes, alors déchargez-vous de ce poids et du stress qu'il vous procure. Chien, la marche serait un bon remède à la solitude. Vous regarderiez le monde bouger et cette pratique vous réconcilierait peut-être avec lui. Essayez, ça mange pas de pain. Il faut savoir cerner les limites de la solitude afin de ne pas les dépasser et sombrer dans son inquiétante hébétitude. C'est selon. Égaré dans des cris, des souffrances et le vide de l'absence. Cochon, célibataire, si vous êtes amoureux, quelle bonne nouvelle! Pourquoi tremblez-vous? Par les temps austères qui courent devant nous, ce n'est peut-être pas trop qu'être de pour y vivre. Rat, prenez vos décisions en adulte responsable, capable d'assumer les erreurs de ses choix et fier de s'en réjouir, quand ils sont pertinents, courage. Trop fastoche de vivre en retrait comme une mioche là, planquée derrière le leader, absent pour le pire et pour le meilleur. Amira, soyez digne et pas ce cougnafier qui se débine sous prétexte qu'il a rien fait. Buffle, le petit déjeuner tout chocolaté, le déjeuner gras, bien arrosé, le souper assoupissant, au fond du divan. De gros plaisirs qui vous feront périr si vous n'y mettez pas fin. C'est hélas certain. Regardez donc la taille de votre pantalon. Tigre, vous êtes trop enclin à l'empathie. Toute votre énergie est dépensée à consoler les âmes en peine, au lieu de les aider. C'est ce qui s'appelle être inefficace. Tigre, au cœur en caramel mou, fait dégouliner ses doux et baveux bisous sur les esprits chagrins. Mais en ces conjonctures, il faut une stature, de la moulure, bref, une carrure en caramel dur, nom d'un chien. Lièvre, vous rêvez de rendre les coups que vous avez reçus. Auriez-vous résisté avec dignité pour finir en minable boxeur qui frapperait dans le vide en croyant faire le mal? Réfléchissez. Réfléchissez. Dragon, n'oubliez pas que vous êtes un concurrent potentiel pour ceux qui essaient de vous dissuader d'avoir des ambitions. Alors, continuez d'y croire et d'avancer. Le monde est un terrain, le ballon votre destin, et seuls ceux qui seront convaincus qu'ils y arriveront gagneront. Mais attention! La volonté ne suffit guère, il faut savoir choisir ses supporters. Serpent, votre conscience professionnelle est aussi pure que l'eau d'un torrent. Ne vacillez donc pas devant des accusations fausses. Non, 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 non. La confiance en vous sera votre arme ultime. Cheval, votre humour plein de gentillesse saura réparer des amitiés brisées, des amours en faillite, des solitudes désespérées. C'est le talent, ça. Ça s'appelle le talent. Le talent de celui qui espère. Bravo. Pour l'animal cheval, la question de savoir si l'on peut rire de tout n'a pas lieu d'être posée. Ils sont contre-fous, mais avec respect. Il aime l'humanité et prétend pouvoir rire quand il devrait pleurer. Chèvre, avant d'accorder votre confiance, adoptez quand même un peu de méfiance. Car si l'homme ne n'est pas méchant, il n'échappe pas, hélas, aux déformations de l'âme et de l'esprit que lui réserve la vie.
Conseiller, mis en garde ou consoler aujourd'hui, demain sera un autre jour, alors soyez heureux et à demain.